Pour chanter souvent nous connaître, pour nous chita, pour qu'il t'en cause avec nous. Parce que c'est vous qui bon Dieu nous, c'est vous qui mettez nous sous terre. Nous ne vivons pas avec pain seulement, mais nous vivons avec toute parole qui sort dans le bruit bon Dieu. Nous avons même peuple là, pour nous finir adorer vous, qui chita, pour écouter ce qu'on vous dit. Eh bien, nous même avons dit tant que Jean Samuel te dit, par les seigneurs, serviteurs, accepte tu as écouté. Et en retour, nous allons remercier vous parce que nous prions vous au nom de Jésus. Donc, nous avons longtemps réfléchi sur le sujet et secret que nous capables, nous devons connaître et nous devons mettre en pratique pour nous capables réussir dans tout ça nous entreprendre. Dans tout ça nous entreprendre. Pour nous réussir dans tout ça entreprendre, il faut nous capables de changer mal en bien. Donc, Jephté, Joseph, Madoché qui te gagne mal, gen Anne, Maman Samuel te gagne un grand mal, un grand problème. Eh bien, la Bible montre nous qui secret moun sa yo te apprendre et puis qui te permet de transformer mal en bien. Te gagne Madame Tsunami, Tlak, Marie, oh, qui te gagne un gros problème. Mais bon Dieu montre nous qui sa moun sa yo te fait. Donc, yo te garder travail, bon Dieu, yo a qui problème, bon Dieu, gagne un travail par lui, et puis yo même, yo et servi moyen, yo gagne pour aider résoudre problème, bon Dieu. Et après, au fin de ça, bon Dieu, par la prophète là, dit prophète là, regardez, belle bagaille, madame avec Marie, il fait pour vous. C'est pas yo qui te mandé ou, c'est pas yo qui te dit yo qui sort besoin, yo te ouais qui sort besoin. Et puis, utiliser moyen, bon Dieu, t'es pour aider à résoudre le problème. Là. Et bien, ou même tout, c'est pour garder qui problème vous avez, et puis pour utiliser la possibilité, bon Dieu, pour aider à résoudre le problème. Là. Et c'est ça qui fait, bon Dieu, t'es guéri, madame, avec Marie, qui était une maladie. Marie a été avancée en âge, madame, t'es une stérilité, elle n'est pas violée. Donc, mais bon Dieu, résout le problème et permet madame, avec Marie, d'être une petite. Parce que vous avez utilisé la possibilité pour aider à résoudre le problème, tant que bon Dieu a gagné. Et le prophète n'a pas de côté pour lui être, pas de mon presbytère, il n'a pas de côté pour le manger, il est sorti dans mon camel, il est venu dans le sunem. Eh bien, vous avez mis ça à disposition par bon Dieu. Et bon Dieu a fait le prophète utiliser le pouvoir que bon Dieu a bali. Pour résoudre le problème, pour guérir, traiter, bah, au petit, et puis faire venir une plus grosse bénédiction matérielle encore que ça que vous avez utilisé pour aider le travail, bon Dieu, marcher. Donc c'est ça, bon Dieu, voulait montrer nous. Nous avons changé mal en bien, oh Dieu, nous avons changé mal en bien. Donc nous pas qu'à faire nous-mêmes, tant que Joseph dit, nous t'es fait plein pour faire mal, mais bon Dieu changer en bien. Nous avons un bon Dieu qui a changé tout mal en bien. Donc c'est ça qui fait, nous besoin de travailler dans tête ensemble avec bon Dieu ça. Nous besoin d'engager nous dans l'équipe, papa bon Dieu ça, fourrer nous en basel et bon Dieu, protection divine. Pour nous réussir dans tout ça, nous entreprendre, il faut nous capables d'utiliser propres âmes l'ennemi. Et puis pour nous gagner victoire sur lui. Pour nous gagner succès dans tout ça, dans votre plan, il faut nous capables d'utiliser propres âmes l'ennemi pour nous gagner victoire sur lui. Donc la parole de Dieu dit nous, il dit nous, tu as gagné un roi, un nouveau roi. Il s'éleva sur l'Égypte, dans Exode chapitre 1er. Il s'éleva sur l'Égypte, un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et dit à son père, ton peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Donc, tu as un Pharaon qui vient monter sous pouvoir, qui ne connaît pas qui grand bienfait Joseph t'a fait pour le pays et l'Égypte. Comment Joseph t'a développé le pays et l'Égypte? Parce que bon Dieu, Joseph là, t'es montré Joseph qui ça pour le faire pour aider le pays l'Égypte développé. Eh bien, le pays l'Égypte est riche en pile à cause de Joseph.
que bon Dieu t'ait quitté moun par bon Dieu et que bon Dieu t'ait utilisé pour bénir Pharaon avec tout le peuple égyptien. Et bien, grand Pharaon qui vient monter au pouvoir, qui pas te connaît l'histoire, qui pas te connaît le passé, qui pas te connaît qui ça, et bon Dieu, t'ait fait pour payer l'Égypte par filier Joseph. Et bien, Pharaon, ça, là où les enfants d'Israël viennent multiplier dans le pays, ya. Et puis, monsieur, vient une jalousie qui montre, lui, une peur qui entre dans lui, et puis, lui dit, ah, peuple, ça, j'en ai développé le pays, ya. Si vingon la guerre, il va mettre tête ensemble avec l'ennemi pour écraser nous, pour partir quitter le pays. Et c'est pour ça qu'on y a, m'a fait devenir esclave. Tout bien les enfants d'Israël te gagné, Pharaon prend yo. Et puis plonge Israël dans l'esclavage. Mais la parole de Dieu dit, nous avons un bon Dieu qui a aidé nous changer mal en bien. Plus Pharaon a pesé le peuple là. Plus Pharaon a fait peuple à souffrir, c'est plus bon Dieu bénit les enfants d'Israël et les enfants d'Israël viennent à développer. Nous besoin d'un bon Dieu ça, bon Dieu qui a changé mal en bien, bon Dieu qui a utilisé les âmes que l'ennemi nous a servi pour craser nous, pour aider nous à gagner une victoire. Donc c'est ça la parole de Dieu dit nous. Il dit les Égyptiens réduisent les enfants d'Israël non dure servitude. Ils ont fait tomber et plonger dans l'esclavage. Ils ont rendu la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par des ouvrages et tous les ouvrages des champs. Et c'est avec cruauté qu'ils ont tapé et imposé chaise à eux, pesé, coffré peuple là avec gros chaise si la responsabilité lousse là. Ouais, Égypte a te parlé à sa famille hébreu, il y a le chiffre, l'autre le pua. Il dit, les nous, ouais, femme hébreu a pas couché. Donc, si c'est un petit garçon, tout fait lui. Si son petit fille quitte le vide, si son petit garçon, tout fait lui dans le passage. Mais la parole de Dieu dit, nous, femme, nous, t'es bien craintif ou papa bon Dieu, il n'y a pas t'écouter ça on. Il n'y a pas écouter sa pharaon, écouter pharaon, pas de faire sa pharaon, te demander, puis faire pour tout faire, petit garçon, dans le passage. Mais, et à cause de ça, il a quitté petit garçon hébreu vivre, et à cause de ça, bon Dieu bénit madame, et bénit femme sa yo. Pharaon, les femmes sa yo, il dit, pour qui raison, moi passer nous l'ordre pour nous tuer petit garçon, puis nous quitter petit garçon vivre. Femme ça, je réponds, eh bien, raison, ce n'est pas faute, non, c'est parce que femme hébreu, pas même avec femme égyptienne. Femme égyptienne, yo même là, yo gen tranché, yo besoin de temps et sa femme vini pour aider yo, mais femme hébreu, là, yo, c'est après yo fin à coucher, femme ça, y a vini pour couper l'ombre de Timouna, mais Timouna est en fin de fête. Donc, puisque petit garçon est en fête, je ne peux pas prendre moi-même pour aller tout faire, je ne suis pas capable. Parce que c'est un bon chef dans le pays, il n'y a pas de faire comme ça. Et puis, bon Dieu bénit femme sage pour ça. Les pharaons, parce qu'ils n'ont pas fait ça, pharaons ont demandé de faire. Les pharaons, ouais, femme sage, et pas tuer les garçons, les petits garçons ont été peuplés toujours, ont grandi toujours. Les pharaons ont passé l'ordre qu'on y a pour prendre tous les petits garçons qui fait, après naissance, ils ont pu aller jeter, pour aller dans la rivière et les Nils. La parole de Dieu. Dis-nous, pendant l'époque, si Pharaon passait l'ordre pour jeter tout petit garçon dans la rivière, pour ne dans la rivière, il y a une femme dans la maison Lévi. Donc, quand il était marié et tout avec un garçon dans la famille Lévi, donc madame était venue enceinte et lui fait un petit garçon. Petit garçon, c'est un bel petit garçon. Il cachait pendant 3 mois. Et 3 mois. Il n'a pas été tuer petit là, il cachait pendant 3 mois. Mais on connaît pendant petit la grandi kounye a et petit la ouais a tout fait li caché tout fait li petit bébé pas connait qui ça tombé relé et puis si grand a grandi voile plus fort ça mette la vie petit la en danger et la vie parent yo tout en danger et bien les femmes nan ou elle pas capable encore il dit là on charge pour poteau pas capable qui trop lourd pour vous c'est pour la guerre nan mais papa bon Dieu et puis il dit Seigneur c'est vous-même qui bon Dieu nous. Vous avez une promesse, vous avez fait grand-parents, Abraham, Isaac, Jacob. Vous avez fait nos promesses. Vous dites, nous avons un chai, nous avons poté, qui dépasse les compétences. Nous n'avons pas besoin d'être coffré en Bali. Nous avons seulement besoin de la guerre de l'amour. Mais même petit là, s'il vous plaît, Seigneur. Je ne sais pas qu'on est. Nous avons fait tout, nous avons 3 mois, je me suis caché, même si je ne suis pas capable encore.
puisque je suis arrivé dans la limite de possibilité, hein, qu'on y a ces moments pour me larguer petit là dans mon. Et puis bon Dieu, by madame nan, yon intelligence, bali, yon inspiration qui fait un esprit de clairvoyance et d'illumination différent. On prend un osier en bambou et puis mettez le goudron en ni fait le tour dans bateau et puis mettez petit la coucher dans panier dans panier hein? Et puis al mettez petit là dans rivière côté pharaon te mandé pour assassiner timon pour tuer timon yo c'est rivière ça même bon Dieu servi pour sauver la vie Moïse. C'est qualité bon Dieu ça a nous gagné. C'est bon Dieu qui a servi pour obsamer les nia. Rivière Pharaon a utilisé pour nayer petit garçon yo. C'est rivière ça même bon Dieu dit madame maman petite là papa lui fait un petit canote. Et puis mettez petite là coucher là dans ni on prend rien. Fait le tour dans canote, mettez petite là coucher là dans ni, elle mettez petite là déposer petite là sous rivière là pour moi. Et puis madame n'a allé lui faire ça vrai elle mettait on sait et petite là quand à distance pour veiller qui ça qu'a privé petite là verset 5 là dit nous petite fille pharaon descend pour l'albain petite fille pharaon t'a l'albain l'albain là bas dit c'est qui côté là aller l'aller dans PPLS là était gain pareil bagaille pour voir les bagaille PPLS ça là donc c'est là qui a aller bien et puis la parole de Dieu dit nous il y a un descend dans fleuve l'albain lui avec les servantes lui qui ensemble avec lui a promené bon rivière et puis il a apercevoir et qui bateau qui caisse et qui prend un ozoa et puis voyez servante pour prendre et là il ouvre lui il jeune petit ouais son petit garçon un bel petit garçon qui a crié et fia vous connaissez filier entrailles maternelles lui même elle veut qu'on fait petite touché lui, que lui est très sensible qui touché pour petite là. Et puis il parle, il a sauvé petite là. Petite, et lui dit ça, c'est une petite gamme, mon hébreu. Et puis c'est petite là que les parents te mettent sous poste pour veiller qui s'accapit de petite là. À l'écoute de Fifa Aouan, il dit Fifa Aouan comme ça, est-ce qu'on t'a allé mal chercher une maman ou une femme parmi les hébreux pour venir à petite là tété? Pour. Qui a dit oui à chercher. Si fia a allé la caille, la chercher maman Timoïse, si petite là. Et puis lui mène by Pharaon. Pharaon paye madame dans un gros comme, retire dans vieux caille esclave côté yoteye, mette soldat pour bal sécurité. Et puis pour madame nan prend soin petite li, yo paye li l'argent pour prendre soin pour petite li. Qui ça qui fait ça? Parce que les madame ont arrivé dans une position, il n'est pas capable de porter Chaël encore, il te remet Chaël dans la main, papa bon Dieu. C'est ça la Bible. Jodia, nous, même mon département, nous avons honoré quelques mamans symboliques ou non, pour faire nous connaître. C'est ça, maman Moïse, nous arrivons dans l'éternité, il va honorer tout, recevoir gros nez, bon côté, papa bon Dieu. Depuis sous terre, elle commence à recevoir nez. Parce que bon Dieu fait Pharaon payer madame Nakob pour prendre soin de petite li. Encore. Donc, c'est ça qui est arrivé. Donc, Zam que l'ennemi a utilisé pour craser les enfants d'Israël là, c'est Zam ça, papa bon Dieu, lui-même, l'a utilisé pour être capable de délivrer les enfants d'Israël. Donc, Moïse et rivière, Pharaon t'a utilisé pour tuer Timounio, bon Dieu t'a utilisé rivière ça pour sauver Moïse. Pharaon qui t'a détruit Timounio, bon Dieu s'est servi avec petite fille Pharaon ça pour prendre Moïse, pour élever Moïse, pour éduquer Moïse. Plus tard, les bons Moïse a fin mette peuple bon Dieu dehors, il y a une loi pour l'écrit, ou il y a un livre pour l'écrit. C'est qui ça qui fait Moïse capable d'écrire les Isaïe? C'est parce que Moïse est élevé dans une grande université en Égypte, Alexandrie. En Égypte, il était pour recevoir une grande formation qui permet qu'il soit capable d'écrire les livres. Donc c'est qualité bon Dieu ça. L'ennemi qui vient pour craser les enfants d'Israël là, c'est l'ennemi même bon Dieu utilisé pour sauver les enfants d'Israël. Donc on nous apprend à mettre confiance nous, dans bon Dieu. On nous apprend à remettre tête nous dans mes papa bon Dieu.
On nous apprend la guéchaille qui loue pour nous que nous pas capoter. On nous apprend la guéchaille si là yo dans mon bon Dieu pour bon Dieu capable de porter chaille ça yo pour nous. Pour nous réussir dans tout ça n'a fait, faut que nous capable présager l'avenir et préparer nous pour nous affronter lui en toute sécurité. Faut nous capable présager l'avenir et préparer nous pour nous affronter lui en toute en sécurité. Donc la parole de Dieu dit nous et n'a vivre dans un monde de tempête. La Bible dit nous c'est pour nous connaître que tempête va gagner pour venir. Il y a une tempête qui va gagner pour venir. Mais bon Dieu dit puisque il y a une tempête ou qu'on est tempête va gagner pour venir, eh bien faut préparer tout pour les tempêtes la venir pour pas craser caillou et c'est ça que fait bon Dieu ben nous côté pour nous bâtir caillou nous sur le roc de la parole de Dieu. Pour que les tempêtes viennent, tempêtes pas qu'à faire nous absolument rien. Nous pas songer te gen un roi qui te gen et qui t'a pral prendre investiture lui. Nous te jeune ça oui dans Luc parce que dans l'évangile nous c'est nous garder ouais pour histoire nous garder histoire dans Luc c'est yon qui t'a pral recevoir investiture lui. Donc, c'est. D'abord, recevoir l'investiture, c'est. Parabole des mines. Il dit il a coûté avec attention, peuple a coûté, verset 11, c'est dans Luc chapitre 19. Parabole des mines. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant. Et le royaume de Dieu allait venir apparaître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Et il lui dit, « C'est bien bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Et il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Et il lui dit, « Je te jure sur tes paroles, méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec intérêt ?» Donc oui, mais Platé Baye et chaque monde en mine. Et puis il y a le travail avec lui, développer lui, l'homme tourné, il a un bon rapport. Et le premier tourné, il dit, oui, ou t'es pas moins minant, mais rapporté 10. Mais là, dit son bon serviteurier, mais ma bon gouvernement 10 villes, ma bon dirigé 10 villes dans le gouvernement. Man. Deuxième navini, il dit, mais nous en rapporté 5. Mais là, dit, oui, ou même tout fait bon travail, ma bon 5 villes pour diriger pour moi. Et puis troisième navini, il dit, Seigneur, même minou, maintenant, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas moyen, nous te prenons des fouilles en tout, moi t'es enterré parce que je connais ces gens qui peuvent demander, moi, ne sont pas de bon moins. Donc, ces gens qui récoltent, ne sont pas de planter, ou prennent ça, ne sont pas de déposer. Donc, je connais, ou tu n'as pas de problème avec moi. Mettre la dit ou son homme qui est méchant. Ou bien tu prévois qui question, ou pas le poser un examen, et puis pour aller à l'examen, pour ne pas apprendre une question, pour ne pas avoir une réponse là. Donc, là qu'on est un bagage mal pour arriver, c'est pour bien temps prendre précaution pour les bagages mal arriver et puis pour ne pas faire absolument rien. Bon Dieu dit, nous vivons dans un monde de tempêtes, tempêtes, cyclones, tremblements de terre, un déluge de vini. Mais bon Dieu, Noé te connaît que déluge pour venir, bon Dieu t'a averti et bon Dieu t'a montré le tout, qui ça pour le faire.
gros lâche là, gros canotte là pour le bâti, qui fait que l'air déluge la vini, il n'y a pas fait absolument rien. Donc nous avons bon Dieu qui voulait de nous présager l'avenir. Bon Dieu fait Pharaon connaître que cette année d'abondance a vini, après cette année d'abondance, que cette année de disette, de grand goût et de famine. Eh bien, pendant l'année d'abondance là, c'est pour nous faire dépôt, bâti silo, pour ramasser tout surplus manger qui vient, pas qu'il n'y a rien gaspillé. Et puis pour l'aide à l'année 17, nous sommes capables de bien manger pour nous prendre soin de nous. Bon Dieu, nous, c'est bon Dieu qui a aidé nous présager l'avenir. Bon Dieu, fais-nous qu'on ait l'enfer pour nous éviter. C'est depuis sous terre pour accepter Jésus comme sauveur personnel. Nous. Si nous acceptons Jésus comme sauveur personnel, nous vivons dans l'éternité, nous vivons dans le ciel, nous vivons de l'autre bord, nous n'avons pas besoin de faire rien parce que nous avons déjà gagné en sécurité. Même au verre riche, là, tu connais ça. Il n'est pas préparé pour lui, et là, il est tombé dans du feu, et c'est là, dans du feu, là, il a tout sorti, mais trop tard. Les bon Dieu, il faut qu'on ait un danger, il faut qu'on ait ni pour capable prendre précaution pour les dangers à venir, pour ne pas craser. On nous fait un coup, maman Moïse. Tout le monde, vite, on va le terminer. On nous fait un coup, maman Moïse, qui te pote petit, là, rebelle, dans mes bon Dieu. On nous pote chai, nous, bon Dieu. Bon Dieu, bon nous pouvoir. Pour nous prier avec Mounio et puis pour lui délivrer Mounio pour droit. En nous avancer, pour tes têtes ou bien bon Dieu, pour tes chaises ou bien bon Dieu. Faites un coup par un Moïse, viens la guette Moïse dans mes bon Dieu. Viens la guette tête ou dans mes bon Dieu. La guette vie ou dans mes bon Dieu. Sors ou pas qu'à faire pour toi, bon Dieu capable de faire pour vous. Que bon Dieu bénisse. Pendant que nous avons chanté 74, que nous avons chanté d'espérance à la vie aux amis, c'est Jésus. Fais-nous douter, Jésus.
c'est vous, porte choisi pour témoin. Seigneur, nous prions pour Frère Ben, nous prions pour Frère Nordé, pour Dieu, Frère Guimena, nous prions pour Vincent et Christine, pour Dieu, bien sûr, Jacqueline Mémé, qui fait opération dans Milo. Oh Dieu, nous lever devant. Merci pour le docteur qui prend soin de Frère Jude Mildor. Oh Dieu, qui est aux États-Unis, famille Étienne, famille Étienne, pasteur Amos avec famille. Nous prions pour ce Constant, Pierre-Louis. Oh Dieu, nous prions pour Bishop Waldeck Numa, pour Père. Merci pour grâce, pasteur Ménéus qui balance, pour la guerre tout le monde dans la main. Pour la guerre voisins, voisines dans le monde. Pour la guerre pays dans la main, oh Dieu. Que grâce avec nous. Mon Dieu qui est dans le Canada, nous remettons dans mon monde. Qui est en Dominicani, nous remettons docteur Ronel, petit avec famille, nous remettons tout le monde dans mon monde. Mon qui est dans le programme dans Biden, dans, oh Dieu, et docteur Winfa, oh Dieu, avec famille, nous remettons dans mon monde. Nous prions pour tout le Fada, oh Dieu, et qui est aux États-Unis, ça qui est en Haïti. Nous remettons les pharaons dans la main, oh Dieu. Toutes ces pharaons de famille, nous remettons dans la main. Que grâce soit nous. Nous demandons pardon pour toutes les fautes. Merci Seigneur de ce que nous prions pour le peuple de toucher dans la main, ou délivrer ou guérir instantanément pour gloire. C'est dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous sauve, que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour toute l'éternité.